S'il vous plaît. Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Good evening and welcome to tonight's festivities.
accablé. Dans un coin, les choses à soustraire. On ne peut rien t'emmener, toi, plier. Thank you.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'être présents ici pour notre spectacle, Les Ados du Cœur. Donc, je vous remercie très chaleureusement d'être tous ici ce soir. Je vous avoue, je suis un peu stressé. Je crois qu'on est un peu tous comme ça. Voilà. D'abord, ouais, c'est ça qui est bon, ça veut dire qu'on a envie de réussir, faire quelque chose de bien. C'est vrai qu'on y travaille depuis, quoi, 6 mois maintenant, Pierre, c'est ça? Je suis souffle. J'ai tout donné sur Cosmo, je te plaît. Olive, tu peux nous allumer un peu la salle pour voir s'il y a du beau monde là-dedans? Ouais, ouais. Trop mal, ouais. Non, je vais prendre une petite photo. C'était moi, j'étais en train de commencer, je te fais un mariage. Attends, je crois que c'était... Je vais juste un petit peu lever les mains et faire un petit peu de bruit, s'il vous plaît. Ouais. Donc merci d'être ici. Ce spectacle, il a été pensé et... Oui, les micros sont réglés pour les élèves. Donc Pierre a redoublé quelques fois. Ce spectacle, il a été pensé et réfléchi il y a plus de 6 mois, à peu près. Non. Un an. On a imaginé ça, on ne savait pas trop où on allait. Aujourd'hui, on est là, on ne peut plus reculer. T'es sûr? Voilà. 6 mois d'entraînement. En fait, les gars, quand on a dit qu'on devait bosser un discours d'entrain, on aurait peut-être dû le bosser. En fait. Ouais! Monsieur Pierre Acosta! Ça fait 6 mois effectivement qu'on travaille de façon acharnée, en dehors de nos heures de cours pour les élèves, pour nous, 3 répétitions par semaine. C'est vrai qu'ils ont rien lâché tout à l'heure sur le clip, on vous a dit qu'ils allaient tout donner, le meilleur d'eux-mêmes, pour vous, pour les restos. Alors on compte sur vous pour nous encourager, parce que c'est pas facile, ils sont stressés, nous aussi, on le dit pas. Et donc on va essayer de vraiment vous offrir le meilleur pour vous, pour ce soir. Une journée un petit peu particulière, puisque pour ceux qui ne le savent pas, on a appris le décès d'Eleni Colucci il y a quelques heures en fait. C'est une dame qu'on a rencontrée via l'association des Enfants Roses qui sont présents en nombre, que je les entends pas trop d'ailleurs. Donc, on l'avait contactée il y a 6 mois, on lui avait parlé de notre projet, on a échangé plusieurs mails, des coups de téléphone, elle était au courant de notre projet, elle le soutenait. Voilà, donc on lui dédie bien entendu le spectacle, parce que pour l'avoir rencontré quelques fois, et les Enfoirés aussi pourront confirmer, c'était une dame qui était très sincère dans son engagement, qu'on a vu au centre des bénéficiaires à Toulouse notamment, rester des journées entières sans caméra de télévision, sans presse. Et voilà, Michel et Véronique sont réunis, mais voilà, on va penser à être très fort à eux ce soir et on va vraiment tout donner pour eux. Oh!
Sur le début de la chanson, au moins, vous allez voir, les paroles sont pas très difficiles. Hein, c'est ou. Ok, d'accord. Donc quand je vous fais signe, les paroles c'est ou. Ok, attention, vous êtes prêts? 3, 4. Ouais, là je suis d'accord avec moi. Alouane me dit, effectivement, je suis d'accord avec lui, les garçons l'ont fait beaucoup mieux que les filles. Les garçons, vous êtes prêts? 3, 4. On voit l'habitude. Attention, les filles, on va voir les filles. On va voir si on a raison. 3, 4. Allez, une dernière fois qu'ils sont ensemble. 3, 4. Allez, on vous embarque à New York avec nous! C'est pas ça qui était prévu, Pierre, c'est pas ça qui est prévu. Non, New York, regardez, on a mis le décor et tout, d'accord? C'est pas possible, Pierre. Non, non, là, c'est pas possible. C'est pas possible. 3, 4. Oh,
cache vie, dans la cache vie, mais elle sait, oui c'est elle. Ça ne rentrera.